La connaissance, par exemple, de manière générale, en contexte autochtone, est d'abord relationnelle. C'est d'abord une affaire de relation avec des personnes. Alors que nous, la connaissance, c'est souvent d'abord dans un livre. On apprend de l'information dans un livre. Notre culture est écrite. Mais dans une culture orale, la connaissance est incarnée dans des personnes. Il y avait une préoccupation de plus en plus grande en contexte autochtone, de la part des leaders autochtones, de la part des décideurs, des intellectuels autochtones, pour participer plus activement aux travaux de recherche qui les concernent et même développer leurs propres travaux de recherche. Vous vous intéressez beaucoup à la présence autochtone dans les villes. 60 à 65 % des Autochtones au Québec vivent dans les villes et non pas nécessairement dans des communautés isolées. Mais toutes les villes du Québec sont établies sur des territoires ancestraux autochtones. Donc, il faut voir cet aspect-là.